Et rapidement, je vais maintenant vous donner quelques passages de lire. Rapidement, nous allons lire et après, je vais nous expliquer. Vous connaissez notre thème, nous parlons maintenant. Notre thème est Ali, réclamons notre héritage en Christ. C'est ça le thème, réclamons ton héritage en Christ ou bien réclamons notre héritage en Christ. C'est ça le topic, c'est ça le thème. Nous réclamons parce que le Seigneur a voulu que nous arrivions à écouter ce message pour être nous tous, tout comme on a niveau, et à réclamer l'héritage Nabiso Katina Yesu Masia. Et je vais nous lisions quelques passages dans la Bible et après je vais nous expliquer. Et sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Genèse. Take your Bible quickly, go book of Genesis. 12. Nous lisons dans les livres de Genèse 12. Nous lisions dans les livres de Genèse. I greet everybody in the name of Jesus. Je salue. N'apaisez pas de connaître son côté. Bago basan line. Que le Seigneur vous bénisse. Tokomi na biso na moment. Yakoyo kalilo balanza. Tokene na tofungla ba Bible na biso. Na Genèse chapitre 12. Nous allons lire quelques passages et après je vais expliquer. Et après encore, nous allons encore lire. Nous lisions dans les livres de Genèse 12, verset 15. Les grands pharaons la virent aussi et le vantèrent à Pharaon. Et la femme fit amener dans la maison de Pharaon. Il y traita bien Abraham à cause d'elle. Abraham reçut des brebis, de paix, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânes et des chameaux. J'ai aimé, là où la Bible nous dit dans les versets 16, j'ai aimé dans les versets 16, je veux que chacun de nous, nous arrivions à souligner les versets 16. Nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 12. Genèse 12, mais nous sommes dans les versets 16. La Bible nous dit, il traita bien Abraham à cause d'elle. Abraham reçut des brebis. Abraham, il avait reçu, le roi de l'Égypte, Pharaon, lui avait donné des brebis, il lui avait donné des bœufs, il lui avait donné des ânes, il lui avait donné des serviteurs, des servantes, des ânes et des chameaux. Regardez maintenant, source, il y a richesse, il y a Abraham. Et si vous lisez dans le livre de Genèse 12, vous commencez dans le premier verset, là où Dieu avait appelé Abraham, là où Dieu lui avait dit de quitter sa patrie, Dieu lui avait donné des promesses, Dieu lui avait dit, je te bénirai, je te ferai une multitude des nations, tout ça, Dieu lui avait donné des promesses. Mais regardez maintenant, Abraham ici en Égypte, tant Abraham a été en Égypte, et la Bible nous dit, le roi, plutôt Pharaon, lui avait donné à Abraham. Pharaon a pesa qui na Abraham les brebis, de bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes. Je veux que tout souligner en mot. Et nous lisons encore dans les versets 13. Dans les versets 13, Genèse 13, verset 1. Genèse 13, verset 1. Abraham remonta de l'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tous ceux qui lui appartenait. Lot était avec lui. Dans le verset 2, Abraham était très riche en troupeaux, en or et en argent. J'ai aimé de souligner les versets 2. C'est très important aussi. C'est-à-dire, là-bas, nous voyons, Abraham, il avait des brebis, il avait des chameaux, il avait des bœufs, il avait des animaux. Et la Bible nous dit ici, il était, dans le verset 13, des Abraham, il était très riche en troupeaux. Il était très riche en or, en argent. Abraham azalaki na ba nyama, différentes sortes de nyama. C'est-à-dire azalaki élévateur, azalaki na ba nyama, azalaki na ba brebis, azalaki na ba anes, azalaki na ba ngombe, azalaki na ba nyama nyonso. Abraham azalaki na yango. Et la Bible nous dit ici, à part cela, il avait aussi de l'or, il avait aussi d'argent. Et si nous lisons dans les versets 5, Lot qui voyageait avec Abraham
avait aussi des brebis, de bœufs, des tentes, et la contre était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Et j'ai aimé aussi dans le verset 6, la Bible nous dit, Bloko la basara qui n'a pas brebis et belé. Abraham, il avait des brebis, il avait des nes, il avait des chameaux, il avait des baniamanios, soya zara qui n'a pas même espace, et zara qui moquille. À ce que la Bible nous dit, Abraham avec son neveu Lot, basara qui contemple ensemble, et Lot aussi, Bloko la zara qui n'a pas brebis, zara qui n'a pas baniama, Abraham aussi, zara qui n'a pas animaux aussi. On peut dire c'était des biens. Leur bien était considérable. Leur bien était beaucoup. Bazakina ba richesse et belé. Bazakina ba bien et belé. Comme la Bible nous dit. Babien abango bazakina mwe belé. La limite au souligné en haut. Parce que je vais vous expliquer plus tard. Si nous lisons dans les livres de Genèse encore, nous allons encore dans les livres de Genèse 24. Tout en Genèse 24, dans les versets 1, Abraham était vieux, avancé en âge. L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. J'ai aimé en toutes choses. Abraham, il avait toutes choses. Si dans notre temps, on dit quelqu'un, il a toutes choses, c'est-à-dire on peut dire, Abraham azalaki na ba immeuble naye, azalaki na ba ndako ebele, azalaki na ba compagnie ebele, azalaki na ba voiture, azalaki na ba magasin, azalaki na ba banque, azalaki na mbongo, azalaki na richesse, tout, il avait tout, parce que la Bible nous dit, l'Éternel lui avait béni en toutes choses. C'est-à-dire, c'était des biens, comme la Bible dit, leur bien était beaucoup, parce que la Bible est belle, leur bien était si considérable, parce que la Bible est belle, Abraham en lui, il avait toutes choses, Dieu lui avait béni. Azaki n'a pas or, azaki n'a pas diamant, azaki n'a pas argent, azaki n'a pas serviteur. Tout le monde dit qu'il avait des servantes, elle avait des serviteurs. Ah, plutôt, il avait des servantes, il avait des serviteurs, il avait tout. Et la Bible nous dit ici, l'Éternel lui avait béni en toutes choses. Et si nous lisons encore la Genèse 14, verset 14, nous allons lire, nous lisions dans les Genèse 14, verset 14. Dès que Abraham y apprit que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés de sa maison. Il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa ses troupes pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs les abattirent et les poursuivirent jusqu'à ce qui te continue dans verset 16. Il y ramena toutes les richesses. La Bible nous dit, il y ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Nous voyons ici, Abraham, il avait entendu que son neveu plus tard, quand Abraham, il était séparé avec Lot. Lot a kendaki quelque part, et Lot est si ka kendaki, bakangaki a komaki prisonnier. Et Abraham, la Bible nous dit, il avait pris 318 serviteurs de sa maison. La Bible nous dit, ces gens-là, ils étaient nés de sa maison. Regardez quelqu'un qui a 318 personnes. Abraham, il était boss. Abraham, il était riche. Abraham, il était très riche. Puissant riche. Abraham, il était un homme puissant. Abraham, il était un homme fort. Abraham, il était béni en toutes choses. Regardez, dans sa maison, il avait pris 318 personnes. 318 personnes. Et là, c'est qu'on a d'accord. Bozalana, 318 personnes. Même l'église. Église, ce que tu as déjà 318 personnes. Église, tu as déjà mon aîné. Tu as dit qu'Abraham, ce qui 318 personnes,
bakena bitumba. C'est-à-dire les gens batupe batikalaki, basi batikalaki, bana batikalaki, akendaki kaka na mibali kobunda. D'où dans la maison d'Abraham, Abraham, on peut dire, il avait dans sa maison plus de 1000 personnes, plus de 2000 personnes. Batouana nyoso bazaki na disposition ya Abraham. Abraham avait collier sa batouana. Abraham, il prendrait soin de ses serviteurs, servantes. Regardez, la Bible nous dit, là-bas, Tomonikuna, il avait des brebis, il avait des banyama ebele. Abraham, il avait de l'or argent. Abraham, il avait des babis, même babien na bango. Et si ka espace bazaki zaki mukie pour biloko ba richesse zaki ebele. Et maintenant Abraham, nous voyons, il avait des serviteurs et des servantes, plus de 318 personnes au bakena bitumba. Et après Nabitumba wana, quand il avait libéré son frère, son neveu Lot, la Bible nous dit, Abraham amena des richesses, des trésors, il avait encore beaucoup de richesses avec lui. Abraham azaki na ba richesse ebele. Abraham azaki na bozui ebele. Et maintenant, si nous lisions maintenant, token de maintenant, Na Genèse 15, là-bas, on avait vu maintenant Abraham, il avait des richesses, il avait beaucoup de choses en lui. Mais regardez maintenant dans le verset 15. Abraham, Azaki Nanyonso, il était un homme au boss, les gens travaillaient pour lui. Abraham, Sokazaki, la compagnie, c'était des gens qui travaillaient pour lui. Abraham, Sokazaki, si vous savez, même la Bible nous dit l'histoire, il y a Isaac, la période d'Isaac, Balobi. Abraham a zaki na ba pui, ba Philistin, ba tondi sa ki on a ba poussière. C'était des serviteurs d'Abraham, ou ba travaya ki. Abraham, soka zaki na ba bilanga, c'était des serviteurs qui travaillaient pour lui. Abraham, loko la zaki na ba nyama, c'était des serviteurs qui prenaient soin de ses yaba nyama na ye. Pour azaki na mbongo, azaki na richesse, la Bible nous dit il était béni en toutes choses. Et nous allons maintenant lire dans le verset 15. Genèse 15. Dans le verset 1, la Bible nous dit, après cet événement, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il lui dit, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donnerait-il? Je me vais sans enfant, l'héritier de ma maison. Abraham a parlé de l'héritage. Abraham, il était béni. Abraham, il avait tout. Il avait des serviteurs, il avait des servantes. Mais regardez maintenant son problème avec son Dieu. Abraham a cherché l'héritier. Abraham, il avait tout dans sa maison. Abraham, il avait des serviteurs, des servantes. Abraham, il avait des richesses. Et son neveu aussi qui était avec lui. Mais regardez la conversation d'Abraham avec son Dieu. Abraham, Dieu lui avait dit, Dieu lui avait béni, mais regardez maintenant, Abraham a disait à son Dieu, oui, tu m'avais béni, j'ai tout maintenant, mais je n'ai pas Nazana héritier. Abraham a son problème, il cherchait un héritier. Un héritier, Abraham a cherché un héritier. Aïe, 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 aïe. Abraham a cherché un héritier. Un héritier, personne qui doit recevoir ou qui reçoit des biens en héritage, c'est-à-dire personne qui sera là après la mort d'Abraham, cette personne-là a causé un bien à Abraham. Abraham cherchait un héritier et regardez, un héritage, on peut dire l'héritage, si je peux définir l'héritage, un héritier d'abord, Nagoloba, n'est-ce pas définir, qui te l'a dit, Il y a le 24 de l'obaki héritier Azali Moto Oyo et Bongiye Azoa ou bien Yakozoa Babien Oyo Batiki Babien O Batiki ou bien en français la Kokoloba personne qui doivent recevoir ou qui reçoit des biens en héritage. Un héritage, c'est un patrimoine laissé par une personne décédée et transmis par succession. C'est-à-dire,
et patrie plutôt. Ndenga lobi héritage et sa patrimoine laissé par une personne décédée est transmis par succession, c'est-à-dire papa ou yakufi, papa ou yatiki banda, kwatiki ba compagnie, papa na tango atiki yango et sa patrimoine. Ce qui papa na zate bakozwa ba bien wana, bakozwa ba izini wana, bakozwa ba compagnie wana, ba pesi pa ya ce qui a zana héritier zana mwana. Oh, il y a des légats qui va pèser ba bien wana. Il va bien wana nyo so to benga mo héritage. Il va benga ye héritier. Azui ba bien oh et outé pa ya papa na ye et quitté pa na ye, c'est ça. Mais regardez maintenant Abraham aussi comme il avait tout. Abraham, il avait des serviteurs. Abraham, il avait des richesses. Abraham, il avait des troupeaux. Il avait beaucoup de richesses, comme la Bible nous dit. Mais Abraham, lui aussi, il cherchait un héritier. Abraham a cherché un héritier. Voilà la Genèse, tout ça, la Genèse 15. L'héritier de ma maison sera Eliezer. Parce que Eliezer, Azaraki, serviteur Abraham. Eliezer Azaki serviteur. Abraham Azwaki tant Azaki mwana mouke. Azaki na Abraham. Akolaki na Abraham. Afanda ki tan ebele Eliezer na Abraham. Yisko Abraham. Loko la zaisu na mwana te. Azoy sanzamba lobi. Tana na zo okeleba. Ajezo kusana. Ope singa richesse. Ope singa bandak. Ope singa ba kompani. Ope singa ba or. Ope singa ba diamant. Ope singa ba richesse. O na anango ebele. Héritage ebele na anango. Menaza na héritier te. Oye bonginga na tike la ebi loko o. Héritier andako na nga. Parce que l'autre aussi, il était son neveu, mais plus tard, l'autre, il était séparé avec Abraham. Et Abraham, il était resté maintenant avec Eliezer, avec encore d'autres serviteurs. Mais regardez comme Eliezer, il était le plus ancien, si vous lisez Genèse 24, si vous lisez dans les versets 10, quand Abraham, il avait envoyé maintenant son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils Isaac, il avait envoyé Eliezer, ses serviteurs. La Bible nous dit, Eliezer, il était le plus ancien de la maison d'Abraham. Il était l'étendant de tous ses biens. Et Eliezer, il était là, Azaki loko la superviseur. Azaki loko la superviseur. Biloko nyoso ya Abraham ye a ye baki yango. Biloko nyoso Abraham ye, Azaki na contrôle na yango. Il était l'étendant de tous les biens d'Abraham. Et Abraham, il avait des biens, si, la Bible nous dit, si considérables. Mais Abraham, il cherchait maintenant à avoir un fils, un héritier. Et ce qui est au verset, nous sommes dans le verset 3. Abraham a dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Lui, il croyait que c'était Eliezer. Mais Eliezer né dans l'obi Azaki serviteur et Abraham. Pour moi, ma serviteur, mon souci à Abraham, balobi né de sa maison. Tant Abraham a zoke le bitumba, a zoke 318 personnes wana, balobi, bazaki né de sa maison. C'est-à-dire, babota makawana, soit ba papa na bango, baboti bango, loko la bango bazaki ba serviteur Abraham, ba nope baboti, bazaka ba serviteur Abraham. Mais regardez, Eliezer P, azala ki serviteur Abraham, depuis de sa naissance, na peut-être babota maka, ba yaki koti kaye pa Abraham. Abraham a colli sa caillé. Abraham a joué parce que Bazo Bengaye, Eliezer de Damas. Mais tandis que dans le parcours Abraham, Abraham a kenda na Damas. Abraham a tika ko kende na Damas. Peut-être moi na oyo Eliezer a bota marakuna, ne ba mema kaye, ba memiye, na ki mwana mukiene peut-être na ba âge ya ba 6 mois, 9 mois, une année, 2 ans, ba koti kaye na maboko Abraham. Et Abraham a colli sa caillé. Et Eliezer a kola ki, yin tane ko dirige ba bien yo sur Abraham. Aye ba ki ba nombre, ya ba nyama, aye ba ki ba or, aye ba ki biloko yo sur Abraham. C'était lui qui était l'étendant de tous les biens d'Abraham. Mais Abraham, il cherchait maintenant à avoir un enfant.
Abraham a dit sans Zamba, bon, ça va, au Pessinga Monate, on a monné ta boutique à Babien, et ça, Eliezer. Zamba le billet, c'est celui qui sera né de ton entraille. Moi, non, comme Bimalali Boumounayo, Namichopounayo, c'est celui-là qui sera ton fils. C'est celui-là qui sera ton héritier. Alléluia, alléluia. Aïe, 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 ça m'a rebellé, hein. Balobi, soto taïna 11, balobi, cette parole la déplaît fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Oh, voilà, on a qu'un moussika. Sorry, Tosana 15, Tosana 15, le verset 5. L'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas celui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Après avoir conduit dehors, il lui dit, regardez vers le ciel, comptez les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham y eut confiance à l'Éternel qui le lui imputant à justice. C'est ça, tout le monde dit, awa, tango, nzambe, zosona, Abraham, Abraham, abisi, nzambe, Eliezer, n'est pas vos ala, héritier, n'a nzambe, abiyete, moi, na, oya, kobi, manalibu, mounayo, na, michopo, na, yo, ne, na, pantrai, na, yo, c'est celui-là qui sera ton héritier. Et la Bible nous dit, après cela, Abraham, azaki, sous la confiance, c'est pas, nzambe, na, ye, ce qui t'otangi, si, ko, Abraham, azo, luka, héritier, Abraham, azo, luka, c'est lui qui sera l'héritier. C'est lui qui restera, c'est lui qui prendra maintenant tous les biens d'Abraham. Nous lisons maintenant Genèse 21. Genèse 21, verset 7. Balobi. Elle ajouta, qui aura dit Abraham, Sarah, na lettera, dans le verset 9, Sarah vit rire, les fils d'Agar, l'Égyptienne, avait affronté à Abraham. Elle dit à Abraham, chassez ta servante et son fils, car les fils de ses servantes n'héritera pas avec mon fils. Les fils de ta servante n'héritera pas. J'ai aimé hériter. On nous parle maintenant de l'héritage. Regardez maintenant Sarah. Sarah, vous vous connaissez, c'était Sarah, elle qui avait donné à Abraham d'aller avec sa servante Agar. Et vous vous connaissez que Abraham a dit qu'on soit moins comme Ismaël. Plus tard encore, Abraham a son bananzam et comme un héritage. Et Abraham a dit si Nzambe tika Ismaël a oumé la libosona yo. Nzamba l'obi Ismaël te. Oko zanana mwana. Oko bota mwana. Mwana wana yende muta kozala. Abraham croyait que loko Nzamba boyi Eliezer. Peut-être Ismaël. Nzambe pe aboya ki Ismaël. Et maintenant, la Bible nous parle maintenant. L'héritier c'était Isaac. L'héritier c'était Isaac, si nous lisions, la Bible nous dit, Genèse, nous sommes dans Genèse 21. Je vais vous expliquer, dans le passage, on appelle ça un mot pour Efanda, et après je vais vous expliquer, Zamba la Bible nous dit, nous sommes dans les versets 9, hein, dans les versets 10, elle dit à Abraham, chassez cette servante et son fils. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole est de plus fort aux yeux d'Abraham. À cause de l'enfant de sa servante accordée à Sarah. Cette parole de plus, dans verset 11. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante accordée à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac qui sortira une postérité qui te sera propre. C'est Isaac, j'ai aimé, c'est Isaac qui sortira. La ligne phrase, on a tout souligné en haut. C'est Isaac
C'est Isaac qui sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Car il est ta postérité. Au moment maintenant ici, nous allons parler sur toujours héritage. Sarah Kuna, Sarah, Aboti, Isaac, Kuna Petomoni, Ismaël, déjà Botamaki. Et Sarah, nous dit maintenant, Sarah ne veut pas à l'unité que Isaac, Bakole, Sika, Mokona, Ismaël. Sarah ne voulait pas que la richesse ou bien l'héritage d'Isaac, Bakabola Yango, héritage ya Isaac, Bakabola Yango, na Ismaël. Yamomoni, Sarah, lobi, na verset 9, a lobi que le fils de ta servante n'héritera pas avec mon fils Isaac, aboyi, que héritage, l'héritage ya Isaac, et ça la partager na Ismaël. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Nous lisons maintenant dans le verset 25. Toke na Genèse 25. Bon, comme un passage, Totangi, de la vous expliquer, les cantiens Zambé Anin. Genèse 25. Toke maintenant dans Genèse 25. Abraham a pris encore une femme. Mais maintenant ici, c'était après la mort de Sarah. Quand Sarah koufi, Sarah est koufa, la ligue kanga bien. Sarah a été koufa maintenant. Balobi la biso maintenant. Dene toko awa na verset awa balobi awa na verset Genèse 25 verset Ebabi. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. C'est-à-dire, tout le monde dit que Abraham na parcours naye. Toko loba Abraham abota ki na basi misatu. Abraham il avait trois femmes dans sa vie. Premièrement, nous voyons Sarah. Deuxièmement, nous voyons Agar. Troisièmement, nous voyons maintenant Ketura. Basi misatu ya Abraham. Abraham, moi si na ye o ya toye bibi sonyo so Sarah. Mais tu as vu que ye Sarah, alaka na servante na ye Agar, tant amoni ke, si Sarah zo botate, azwa ka maintenant servante na ye Agar, a pesiye. Sarah eligi koloba princesse. Agar eligi koloba la fuite. Et maintenant Ketura veut dire ancha. Ketura veut dire parfait. Et maintenant, Tomoni Awa, la Bible nous dit, Abraham a pris encore une femme nommée Ketura. Elle est lui enfantant. Baboti Awa, Babota Kibana 6. Na Ketura, Abraham il avait 6 enfants. Mais si nous lisons maintenant dans les versets 5, dans les versets 25, ce sont là tous les fils de Ketura. Ketura, elle avait 6 enfants. Obabotakina Abraham. Après la mort de Sarah. Mais maintenant dans les versets 5, Abraham a donné ses biens à Isaac. Regardez maintenant. Là où Abraham maintenant a payé sa richesse, là où Abraham il avait maintenant donné sa richesse, l'héritage, là où Abraham il avait donné maintenant son héritage à Isaac, ma richesse n'a eu nios. Oh, nios, Abraham il avait des maisons. Là-bas, je vous ai parlé, la Bible nous dit Abraham il était béni en toutes choses. Abraham il avait de l'or, de l'argent. Abraham il avait des brebis. Abraham il avait des troupeaux. Abraham il avait des serviteurs, des servantes. Mais regardez maintenant ici, Abraham il cherchait un fils qui sera son héritier. Abraham croyait que c'était Eliezer, ce n'était pas Eliezer. Abraham croyait que c'était Ismaël, ce n'était pas Ismaël. Et regardez maintenant, c'était Isaac. Isaac, maintenant ici, la Bible nous dit, avant la mort d'Abraham, Abraham, il avait pris toute sa richesse. Azu, ma richesse n'a rien nios. Ma bien n'a rien nios. Économie n'a rien nios. Mbongo n'a rien nios. Soussou, n'a pas servi. Azaki n'a pas mbongo. Abomba n'a pas banque. Azaki n'a pas immeuble. Azaki n'a pas compagnie. Richesse n'a rien nios. Ok, Abraham, il avait. Il avait maintenant, la Bible nous dit, dans le verset 5, Genèse 25, verset 5. Abraham a donné tous ses biens à Isaac, à son fils Isaac.
Parce que c'était lui qui était l'héritier. Et si nous descendons maintenant dans le verset 6, il lui fit des dons aux fils de ses concubines. Il lui fit des dons tandis qu'il vivait encore. Il envoya loin de son fils Isaac, des côtés de l'Orient, dans le pays. Abraham, ici, nous voyons maintenant, pour Isaac, il avait donné tous ses biens, son héritage, à Pesaki Ango. Mais pour Nabana Naye Moussouswana, Bana, Tokenanuna Ismaël, Ismaël qui était le fils d'Agar, Abraham, lui avait donné des dons, à Pesie Don. Ndamuka la richesse. Richesse à Mouki a Pessi. Peut-être Ndakumo, ça va qui peut-être dans 100 maisons. A Pessi ka Ndakumo go. Baya Ismaël. Bana wana moussou Pessis. Oya boti na Ketura. A Pessi bango. Na moana moko. Peut-être Ndakumo go. Moko moko. Le reste nyonso yaba bien. Yaba richesse. Yaba bien na ye. Il avait donné maintenant. Ba richesse wana nyonso paya Isaac. Après, c'est un père à Isaac. Il y a un autre nom, Awa. Réclamer ton héritage en Christ. C'est ça le thème. Si nous lisons maintenant, tant qu'elle est maintenant, dans Genèse 22. Genèse 22, n'a pas si ma passage est autant qu'il n'a pas expliqué. Parce que ma mère a dit, rappelez-moi pas si, faut oser la peine à sagesse, n'a pas eu le, il y a un peu ça, il y a un peu. Batoupe fanda na mitoua batou. Genèse 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, il lui répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja. Et là, ouvre-les à l'holocauste sur l'île des montagnes. Que je te dirai. Maintenant, ici, nous voyons Dieu qui disait maintenant à Abraham, Dieu lui avait demandé quand Abraham, il était vivant, Dieu lui avait dit, prends ton fils, ton unique, l'unique, celui que tu aimes. C'est-à-dire, Abraham, nous voyons, il avait beaucoup d'enfants. Il avait Ismaël, il avait encore Bana Moussousou, on peut dire. Même si c'était avant, avant, là, tu es là qui avant. Ici, nous sommes dans les versets 22. Là-bas, c'était dans les versets 25. Mais la Bible nous dit, quand Dieu lui avait dit, ton enfant, ton unique, Ismaël était là. C'est pour cela, ba musulman, bon, ba musulman, ba lobaka, l'enfant, le fils unique, c'était Ismaël. Ba musulman, ba lobaka, na conteste, oyo balobi, ezalaka Isaac était, ezalaka Ismaël. Pour la parole, c'est Ismaël. Ba musulman, ba lobaka, c'est Isaac, c'est Ismaël. Mais ici, nous voyons, Zamba préciser, Zamba lobi que Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Dieu lui avait précisé Isaac. Parce que ce qui nous a parlé, prends ton fils, celui que tu aimes. Avant qu'on soit Ismaël. Mais Zamba lobi, celui que tu aimes, Isaac. Parce que Dieu connaissait que c'était Isaac qui était son héritier. Aïe, 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 aïe. Je vais vous expliquer. Nous lisions maintenant Colossiens. Donc, on est dans Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 17. Balobi, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Oh là là, Makambouana Sototangi, Abraham, il était béni en toutes choses. Abraham, il avait des brebis, il avait des serviteurs. Abraham, il était riche en troupeaux, en argent. Abraham, il avait des biens considérables. Abraham, il avait des serviteurs, des servantes. Et Abraham, toutes ces choses-là, Balobi Awa, c'est l'ombre des choses à venir. La Bible nous dit, c'est l'ombre des choses à venir, le corps est en Christ. C'est-à-dire, c'est que l'histoire n'est pas dans la Bible, et dans l'ombre des choses à venir. L'histoire n'est pas dans l'Ancien Testament. L'histoire n'est pas dans la vérité, mais dans l'histoire n'est pas présenté le Christ. Ce qui est dans l'histoire, Noé a tonga ki masu a koti sa ki bat.
Noé wana eza image à Christ pour nous sauver l'humanité. Pour nous sauver bateau, c'est Jésus Christ qui est dans un bateau, dans un masoua ya Noé. Bah, bah, kokota kati na masoua wana, bah, on va sauver parce que même Noé, son nom veut dire repos. Même Noé, il est repos. La Bible nous dit, Jésus a lobi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Bah, histoire union sur la Bible. Et ça a une signification. Et ça, oh, la Bible, l'ombre des choses à venir. Bah, histoire nuance. Moïse a mis, c'est pas dans Israël d'Égypte. Moïse a un libérateur. C'est Christ qui est le libérateur. Bah, histoire nuance, wana, il y a la Bible, tout le temps, derrière cela, on nous parle de Christ. On nous parle de Jésus. Mais maintenant, nous voyons l'histoire d'Abraham. Abraham qui était riche, Abraham il était boss, il avait des serviteurs, il avait des servantes, il avait des lots d'argent, Abraham il était puissant, et tout ça, et sa image, parce que n'oublie pas, comme Abraham, Abraham sans H, Abraham, Abraham, Balongoli H, sans H, na A, Eligi Koloba, père élevé, Nzambe Aeko Bakisa H, na A, na kombo ya Abraham, Abraham, eliki koloba père de la multitude. Ba longoli père élevé, ba comme ici père de la multitude. C'est-à-dire Abraham, il représente Dieu le Père. Abraham est l'image de Dieu le Père. Abraham, lui, il incarne Dieu le Père. Tandis que Isaac, Isaac est l'image de Jésus. L'Isaac, c'est le fils aimé, car Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils unique. Le fils unique. Regardez quand Dieu lui avait demandé ton fils, le fils unique, et c'est lui que tu aimes. Vous savez, même Jésus, après son quand il était baptisé, la Bible nous dit, Likole Fumwami, papa Zoroba, mon fils, là où j'ai mis toute mon affection. Jésus est l'image d'Isaac. Parce que aussi, le nom Isaac veut dire rire. Isaac est l'Ikoloba Esengo. C'est Jésus-Christ qui est notre Esengo. Jésus a dit, je vous donne ma joie. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Jésus a joie naïe, a peine à kimia naïe. Il a dit, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Jésus a la paix naïe, Jésus aussi a joie naïe. Jésus-Christ a sa image, il y a rire. Jésus est l'image d'Isaac. Et la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Nous voyons qu'Abraham, il avait donné son fils. Et sa image, il y a Dieu le Père pour sauver l'humanité. Dieu lui, pour sauver l'humanité, pour nous sauver. Dieu, il avait donné son fils, qui est l'image de Jésus. Isaac, il était le fils unique. Isaac, il était l'héritier. C'est Jésus-Christ qui est l'héritier de Dieu le Père. Tu vois, Isaac, lui qui est l'héritier, le fils unique, c'est-à-dire, on peut dire, c'est l'ombre des choses à venir. C'est Jésus-Christ qui est le fils aimé. C'est Jésus-Christ qui est l'héritier. C'est Jésus qui est l'héritier. Tu vois, Jésus-Christ est né as un héritier. Barbie, Ezé, Lilingia, Makamu et Koya. Si l'histoire est à Abraham, et bon, bah, la vérité. Logos, Eza Ningi Totangi, Rema, Toza Kobibisa, Abraham Aza image à Dieu le Père, Jésus-Christ Aza image à Isaac, Isaac est l'image de Jésus, l'héritier, Isaac qui était l'héritier, c'est Jésus-Christ qui est l'héritier. Vous savez, comme on dit Abraham, Abraham, Azara qui n'a pas simisa, Abraham, Tobi qui n'a parcours naïe, Aboti n'a pas simisa, Tomoni, Sarah, Tomoni, Agar, Tomoni, Ketura. Moi, je peux dire encore, vous savez, Nyosowana, Sarah, Agar, Ketura, Eza image à ma religion. Voilà, Nanabalan. Sarah, Eza image à ma religion. Agar, Eza image à religion. Et Ketura, et l'image aussi des religions. Je peux dire encore maintenant, parce qu'il y a trois religions aussi, au Bazak, ont identifié. Leur papa, c'est Abraham. Ismaël, Ismaël c'est le fils d'Agar, plutôt d'Agar. Agar, 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 Ag
parce que Agar aza maman ya Ismaël Islam, c'est-à-dire Agar elle représente Ismaël, la religion Agar et la religion ba musulman baouti na Islam baouti na Ismaël baouti na Agar. Leur mère c'est Agar, religion Agar. Tandis que on peut dire aussi judaïsme. Moi je peux dire encore peut-être judaïsme baouti na Ketura. Il y a judaïsme baouti na Ketura. Judaïsme baouti na Ketura parce que Ketura elle dit qu'on va parfait, elle dit qu'on va ansa. Tout le monde a judaïsme, tout le monde a Yuda, kuna ba Yuda yanzoto. Tandis que tout le monde a Sarah, kuna balobi, nenga lobi na biso, Agar engi koloba la fuite, Agar veut dire la fuite, Agar eza image ya religion, tozomo na Islam et bimi na Agar, tozomo na Islam et bimi na Agar, tozomo na judaïsme, na lobi selon moi, na classé judaïsme, ba bimi na Ketura, parce que tomoni kuna 6 enfants, o ba bimi na Ketura. Mais Tomoni, aïe, Tomoni Sarah est l'image de biso toza ba chrétien, toza mona awa christianisme et biminde na Sarah. Parce que Sarah, n'oublie pas, le nom Sarah veut dire princesse. Comme Sarah, elle dit que ma princesse. Voyons, je vais vous donner même des passages dans la Bible. Nous sommes des descendants de Sarah. Nous les chrétiens, nous sommes des descendants de Sarah. Parce que na descendait ba Sarah et sangisi ba juif et sangisi ba grec et sangisi ba esclave et sangisi ba tonioso na biso nyonso ba oyo na molimo tonimi Jésus lokola mokonzi pe mobiki si toza tobimi na Sarah tobimi na christianisme tobimi na christianisme aïe bande bolanga bolo ba amen ba o matia soki Eza kokota bolo belanga amen. Eza babilo mo fosa na sagesse nza me pona ko libérer ango. Tolo ba biso to zolo ba awa, toza ba héritier. C'est Jésus-Christ qui est d'abord l'héritier et nous sommes des co-héritiers. Jésus qui est l'image d'héritier et nous sommes des co-héritiers. C'est-à-dire Jésus est l'image d'Isaac, le fils unique, l'héritier d'Abraham. Et c'est Dieu qui est le Dieu le Père, le fils Isaac, qui est l'image de Jésus, Jésus-Christ, à travers sa mort, à travers la mort de Jésus. Nous maintenant, nous sommes maintenant devenus aussi des héritiers. C'est pour cela, le Seigneur a voulu que nous arrivions à écouter ce message, parce que le Seigneur veut que ma soeur, tu arrives maintenant à réclamer ton héritage en Christ. En Christ, nous sommes maintenant devenus aussi les héritiers, le co-héritier de Christ. Nous allons maintenant lire Tokene na Galates chapitre 3 verset 6. Galates chapitre. Merci maman Biba, merci Mananou, ah merci Masenga, ah merci Mounama Betty, merci maman Marie-José, bon bah amen, biloko oye outi ta outi lola, biloko ba révélation oye outi lola, aïe, il faut bima, on sentir katinanga, moto les opéla, il faut bima, ah. La réclamer ton héritage, ton habitat. Abraham, il était béni en toutes choses. Abraham est l'image de Dieu le Père. Dieu le Père, oh Dieu, toujours Azanango, protection Azanango, guérison Azanango, délivrance Azanango, bien matériel. Abraham, il avait de l'or, argent Azanango, il avait des troupeaux, il avait tout. Et il avait donné cela, toutes ses richesses à son fils qui est l'image d'Isaac. Et notre Isaac, c'est Jésus. Jésus-Christ, il a tout. Jésus-Christ a un agnonce. Guérison, c'est pas naïe. L'obus, c'est pas naïe. Ah, n'a pas de délivrance, c'est pas naïe. N'a pas de l'évasion, c'est pas naïe. N'a pas de protection, c'est pas naïe. Jésus-Christ, il est l'héritier de toutes choses. Et nous, à travers lui, à travers Jésus, maintenant nous sommes capables de réclamer, demander, insister quelque chose.
quand on dit réclamer, c'est-à-dire insister quelque chose, que tu arrives à insister, que kimia ezanga, guérison ezanga, protection ezanga, élévation ezanga, na koku fate, na kozana bomo, na kota tola, munene na nzambe, na nzambe nzambe, na kunangeza nzambe, bana na baza nzambe, toza beni, 2021, eza année élévation, eza année ya prospérité, eza année ya santé, eza année on a komata, on a kopercé, c'est ça réclamer. Réclamer ton héritage. Je vous ai dit, dans le Bible, la Bible nous parle de l'héritage. Je vais vous montrer peut-être plus tard, dans la conclusion, nous avons un héritage pour nous Israël. Bana Israël baza héritage aussi pour Dieu. Quand Dieu il avait habillé Bana Israël en Égypte pour amener telle promise, Isaac, héritage. Pour la bango, c'est-à-dire, ils ont bien mon bon sang va promettre bango, aligner bango va zoyango, la terre promise, ils ont le col là, nazoluka santé, nazoluka guérison, nazoluka prospérité, et le mon bon sang va saler langa, ils ont la terre promise, ils ont quelque chose va promettre yo, ils ont héritage na yo. On me dit que Bible ils ont parlé que héritage. Jésus-Christ, il est l'héritier. Jésus-Christ, il est l'héritage pour nous. La Bible nous parle de l'héritage. Il a dit, je connais les projets que je formais sur vous. Projet de paix et non pas projet de malheur. C'est-à-dire, projet de paix, c'est l'héritage. Simon Pierre a tourné Jésus. Nous avons tout laissé. Tout l'a dit, tout rejoigné. Jésus, c'est que Jésus, alors qu'il n'y ait, et ça qui est héritage. C'est-à-dire, c'est ça. Héritage, c'est ça, quelque chose va bien mon coboyer. Après décès à Moutou, il faut Moutou soit Zouango. C'est-à-dire Jésus, après sa mort, nous avons maintenant ce droit de demander, de réclamer ce que Dieu avait promis pour nous. Galates chapitre 3, verset 6. Comme Abraham crie à Dieu, et que cela lui fut imputé en justice. Reconnaissons donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils de qui? Les fils d'Abraham, ceux qui ont la foi. Galates 6, verset 7, c'est comme Balobi. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils de qui? D'Abraham. Balobi Awa, Balobi, ainsi aussi les Écritures prévoyant que Dieu justifiera les païens par la foi. Nous les païens, Dieu va maintenant nous justifier par la foi. Par la foi, à l'avance annoncée à cette bonne nouvelle d'Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations, tu vois, nous les païens, parce que nous sommes des païens, tokomi bana ya Abraham. Par la foi, parce que nous avons crié à Jésus. Ce qui t'otangi dans verset 11. Desquels? Dans verset 12, Balobi. Or, la loi ne précède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Dans verset 13, Balobi Awa. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en étant devenu malédiction pour nous, car il est. Car il est écrit maudit quiconque est pané au bois, afin que nous réservions par la foi. Na 14 Babi, afin que la bénédiction d'Abraham y pour les païens son accomplissement à qui? À Jésus-Christ. Et que nous réservons par la foi l'esprit qui avait été promis. Il y aura dans verset 26. Car vous êtes tous les enfants de Dieu par la foi en Jésus Christ. Nous sommes les enfants de Dieu par la foi en qui? En Jésus Christ. Nous devenons les enfants de Dieu par la foi en Jésus. On peut dire aussi, nous sommes aussi devenir les enfants d'Abraham. Ceux qui ont la foi sont devenir qui? Les enfants d'Abraham. Et ce qui est autant dit dans verset 26 et dans verset 27, Balobi, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif,
ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car à tout vous êtes en Christ. Balobi Awa. Vous êtes un en Christ. Dans verset 29, Balobi, si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, l'héritier selon la promesse. Tu vois, nous sommes aussi les enfants d'Abraham, les héritiers de la promesse. Ah, ma sœur, vous avez un héritier, n'évitez. Héritier à moi si vous avez un héritier, tu évites. L'héritier, tu évites. Il y a moi aussi, héritier. Maman Biba, vous avez un héritier. Vous avez un héritier, tu évites. Héritier à moi si vous avez un héritier, tu évites. Vous avez un héritier, maman Senga. Ah, Mananou. Maman Marie-José. Ah, Kuna Masenga. Ah, Kuna Mabeti. Ah, ah, Manansi. Ah, ah, Shadrach. Ah, Enoch. Ah, Jasper. Maman Spekadi, Bazolo Balabi Sonyonso. Ah, 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 ah. Nazolo Babanegode, tout ça, bah, héritier. La Bible nous dit, ah, ouah. Na verset, aimé le verset 29. Balobi, si vous êtes en Christ, si vous êtes en Christ, d'abord, il faut être en Christ. Si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Tu vois, en Christ, nous devenions maintenant, donc, comme déjà, Bakitania Abraham. L'héritier selon la promesse, tu vois. C'est pour cela que t'es mes alliés. Réclamer notre héritage en Christ. Parce que en Christ, nous avons héritage ou promettre buso. Bah héritage, nous sommes maintenant capables de réclamer en haut. Mais en Christ, à travers Jésus, à travers sa mort, à travers sa résurrection, à travers, il a pris, la Bible nous dit, maudit quiconque est épanoui au bois. Il était pâli à notre place pour que nous maintenant nous devenions riches, pour que nous devenions maintenant libres, nous devenions maintenant bénis. Ben, la Bible nous dit ici la bénédiction d'Abraham. Et quoi il colonne à Bissau? Lui, Abraham, il avait tout. Abraham est l'image de Dieu le Père. Jésus est l'image d'Isaac. Et même maintenant, nous croyons maintenant à Jésus. Nous devenions maintenant les co-héritiers. Nous devenons les héritiers à travers Jésus. C'est pour cela qu'il faut réclamer. Le mot Kokoufate, Okokoufate, coronavirus, et que Simbangate, et que Simbanda Konangate, et que Simbabana Nangate, 2021, Eza ya yo, Eza ane moko na santé à malam, Eza ane moko protection zambes alikolona yo, faveur zambes alikolona yo, banana yo bakokona bien. Makilana Yesu Genzinga, proclamer, réclamer, insister. Aïe, 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 aïe. Ce qui est dans la Galate, tout qui est dans Galate 4, verset 1. Tout qui est dans Galate 4, verset 1. Balobi, oh, aussi longtemps que vous êtes héritiers et enfants. On nous parle de l'héritage. Aussi longtemps que nous sommes des héritiers. Aux héritiers. Sommes dans le verset 3, Balobi. Nous aussi, de même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions. Ah, Nanoukaisika. Dans verset 7, c'est ainsi. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Tu es, si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous aussi, nous sommes fils. Bible sur le Jean 1, verset 12. Tu vois maintenant à travers Jésus. Nous devenions maintenant les enfants de Dieu. C'est pour cela, à travers Jésus, nous sommes maintenant capables de réclamer notre héritage en Christ. Balobi, si maintenant, Balobi, ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils, et tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ce qui est autant dans le verset 22, Galates 4, verset 22, il est écrit, Abraham y a deux fils. Un de la femme esclave,
l'aide de la femme esclave, quand on parle de la femme esclave, on va parler de la Agar. Abraham a parlé de la femme esclave. Abraham a dit que Sarah, plutôt. Agar. Quand la Bible nous parle maintenant, la verset 22, Abraham a eu deux fils. Un de la femme esclave, esclave Agar. Elle, Balobi Awa. Et l'un de la femme libre. Quand on parle de la femme libre, c'est Sarah. Sarah, elle était une femme libre. Et pourtant, le verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vêtu de la promesse. On nous parle Agar, on parle d'Ismaël, on parle d'Abisso, na Sarah, et on parle d'Isaac. Mais ceux qui ont tangi, quand on parle d'Abisso, ceux qui tangi d'Amonios, on parle d'Abisso, na Agar, Azara qui femme esclave, et on parle d'Akuna descendant naïe, on parle d'Ismaël, et on parle d'Ismaël, religion, et on parle d'Islam. Parce que l'Islam ne peut pas le baka. Papa n'a pas Abraham. Judaïsme, papa n'a pas Abraham. Nous sommes chrétiens, nous sommes que papa n'a pas Abraham. Mais nous sommes chrétiens, nous sommes classés dans descendants, tout à travers Isaac. Isaac, tout le monde a Jésus, l'enfant promis, tout le monde a Jésus, le fils aimé. Jésus-Christ, nous sommes tout à fait alignés. Il y a un verset, dans le verset 30. Dans verset 30, Balobi, mais surtout quand on a verset 28, dans verset 28, Balobi, pour vous, frères, comme Isaac, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Vous êtes les enfants de la promesse. Eh, Osam, la fin de la promesse. Nous sommes des enfants de la promesse. Et va continuer, Balobi, de même que alors que celui qui était né selon la chair, persécuter celui qui est né selon l'esprit. L'enfant qui est né selon la chair, persécuter Ismaël, à ce qu'on persécute Nani. Isaac. Il y a un moment dans l'islam, il y a un chrétienté. Il y a un christianisme. Parce que l'islam, il y a un chrétien, il y a un chrétien, il y a un chrétien, il y a l'islam, il y a un chrétien. Jamais il y a un chrétien qui a une tendance à être un musulman. Et là, il y a un bango. Tandis que la Bible est lobby. La femme esclave a sa persécuté. Dans le verset 29, il y a même que, alors que celui qui est né, selon la chair, persécuté celui qui est né, selon l'esprit. Balobi. C'est ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit les Écritures, chassé esclave et son fils, car les fils de l'esclave n'hériteront pas avec les fils de la femme libre. Aux hommes, on a au langage, on a au Sarah. La perception passage, c'est qu'à Sarah, alors oui, que moi, nané Isaac, à Kokabo, la richesse n'a été. Na mwana ya Agar Ismaël. Et ce qui est dans la 31, c'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave. Nous ne sommes pas les enfants de l'esclave. Mais de la femme libre. C'est-à-dire, c'est pour cela que je vous ai dit que la femme libre, c'est un christianisme. La femme libre, c'est notre mère et Sarah. Parce que tu bimi wana. Tu sabana ya Sarah. Tous abana autolobi awa, tous abana la femme libre, ba chrétien, nous christianisme, tobimi na Sarah balobi awa, vous êtes bana ya la femme libre. Aïe 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 aïe, na bana ya Sarah, au cause à la paix Yuda mou Yuda propre, yanzo toboye, mais quand tu reçois Jésus, on dit Jésus, osa classé awa, au cause à la mou Yuda boye Jésus, ok kuna na ketura. Osa Mouyouda, au bon Christ, osa refusé Jésus, osa classé na bana ya Ketura. Osa judaïsme, ok kuna na religion na bino judaïsme. Mais na kati ya bana Sarah, même osa arabe,
Oyami Jésus, on dit Jésus, osa na katia, osa africain, osa européen, Oyami Jésus, osa classé awa. Osa pe mouyuda, penda ya nzoto mouyuda, ya nationalité mouyuda. Quand tu reçois Jésus, tu acceptes Jésus, osa classé awa. Parce que ici, bazo parler na biso de l'esprit. Bana o baza ya molimo. Nous aussi, to komi bana Abraham, na molimo par la foi. Plutôt barab au pe barab au pe bandimi Abraham bandimi Jésus le col à mon concipé mon bic ici basapé classé awa ba yuda ba juif pe au na musuni au ba recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur basapé classé awa. C'est ça le message. C'est pour cela que nous avons tout un message tout réclamer héritage nabiso en Christ parce que Abraham a bomba qui moi en été, a garda qui moi en été, mais il avait donné, il avait livré son fils. Quand Dieu lui avait demandé son fils, il a pris l'enfant qu'il aimait, et tandis que car à Dieu a aimé le monde, il a donné son fils unique, qui est l'image. Si Dieu avait donné son fils, et à combien plus fort, Dieu, il nous donnera encore, il nous donnera Maramounios. Tout en Jean chapitre 3. Matthieu 12, en ligne, hein? Maman Biba, vous avez en ligne? Malina, dans un monotin. N'habitez Malino, Zali ou Biozati. Pour, dans mon avis, on a débit. Mais Adono, maman Nanoza, ma Betty. Beaucoup de l'année, amen. Ma Senga, Maman Marie-Jososa, Shadrach, Enoch, Bande Kobaza, Alain, beaucoup de l'année, amen. Matéa n'a dit que ça m'a cassé, mais faut qu'à ton mataga. Je suis dit que ça m'a cassé, moi m'a cassé par le Saint-Esprit, pour comprendre en mon cas. Jean chapitre 3, verset 14, comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car à Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé en lui. Il avait aimé le monde, il avait donné son fils. Namutunyon sa kondimere asa anini, azwa la vie éternelle. Zambé balobi awa, atinda ki mwana naye Jésus na mokilipona, a jugé mokilité. Mais il avait envoyé son fils, afin que quiconque croit en lui, aza la sauvé. Na 17 balobi, en effet, Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé en lui. Celui qui croit en lui n'a point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Tu vois, la personne qui refuse de croire en Jésus, il est déjà jugé parce que il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Ce qui doit continuer, dans le verset, j'ai aimé le verset 35. Le Père aime le Fils. Aïe, aïe, aïe. Vous soulignez le passage, c'est important. Passage est important, 35. Jean chapitre 3, verset 35, est important. L'inspiration, il y a ma camona zolo, mais le passage est clé. Il y a un lakisi, et lakisi ma camounion, surtout au temps que Abraham a pesi, richesse na enyonso, et pas ya Isaac. Il avait donné tous ses biens à Isaac. Regardez maintenant, dans le Nouveau Testament, là où le Père, il avait donné maintenant tous ses biens maintenant à Jésus. Parvenir maintenant, dans Jean 3, verset 35, le Père aime le Fils. Et il a remis toutes les choses entre ses mains. Tu vois, Isaac, là-bas, on avait vu, Abraham a aimé Isaac, il avait donné tous ses biens. Et maintenant, ici, nous voyons Dieu le Père qui aime le Fils. Il a remis tous ses biens entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure
sur lui, tu vois. Aïe, 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 aïe. Ah. Le père aime le fils. Il a remis toutes les choses entre les mains de son fils. Jésus-Christ, il est dans la mabote. Mabote est à Katinaye. Délivrance est à Katinaye. Mabal est à Katinaye. Kimiana Mabal est à Katinaye. Restauration est à Katinaye. Délivrance est à Katinaye. C'est ça ma camouane. Nous sommes toujours dans l'héritage Nabiso. Maintenant, en Christ, nous sommes maintenant capables de réclamer Yango. Kimiana na ekoma Yanga. Kimiana na mona vie Nanga. Et c'est mona mona Yango. Délivrance na vivre yango, prospérité na vivre yango, mbongo na vivre yango, osa ko réclamer, c'est ça. Romains chapitre 8, nous lisons Romains 8. Tout aussi, ça bientôt, après nous allons prier. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, co-héritiers de Dieu. Aïe, 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 aïe. Bah, maman, n'a pas besoin de vous commencer. Romains chapitre 8, verset 17. Balobi, Romains 8, 17, Balobi. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Si nous sommes enfants, oui, nous sommes les enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 8. Jean 1, verset 12. Parmi ma honneur, soyez un bâti Jésus. Bâti bâti Jésus. Bâti bâti bâti. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Osa moi nanzam. Mais maintenant, la Bible nous dit si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu. Co-héritiers de Christ. Osa moi nan. Tosa aussi, bâti co-héritiers. Tout à qui verset maintenant 39, 32. Tout en a 32. Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. À combien, Balobi, à comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes les choses avec lui? Comment ne nous donnera-t-il pas toutes les choses? Nous sommes là. Bat mususu yo mona nanzam ozo luka protection okepa ba marabu okepa ba maman bikudi Jésus-Christ protection za pa na ye nous blabalobi awa ba o bazan na kondima ce sont les enfants d'Abraham. Tu peux aussi réclamer la protection, ta protection en Dieu, en Christ, protection, délivrance eza katina Jésus. Balobi, awa, si Dieu a épargné qui moi n'en a été, le fils unique, celui que Dieu aimait, il les a livrés pour nous sauver, à combien plus fort raison. Alors on peut s'abissoter toutes les choses. Quand on parle de toutes les choses, c'est toutes les choses. C'est-à-dire, c'est ça l'héritage. Réclamer ton héritage en Christ. Na sepela kana verset na ndagawana balobiki akizera les élus de Dieu. Ah, lobana za eli, faut te confesser ça. Ce sont les héritages spirituels. Lobana za eli de Dieu parce que les élus de Dieu bazar, les élus bazali, les rejetés aussi bazali, les enfants de la perdition pe bazar. Oui, Jésus dans son prière lui papa, bâton ne se pèse kinga na bomba ki bango, sauf l'enfant. Moi na li baby, moi na ya li baby. Ba na li baby pe bazalaka. Mais yo kozala moi na li baby te. Lo ba naza, naza eli. Faut te confesser ka. Ya on a faut te confesser ka, faut déclarer ka, faut réclamer ka. Lo ba que je suis eli, la semence de Dieu est en moi. Je suis un enfant de Dieu. Ma vie appartient à Jésus. Comme je vous ai parlé, je vous ai dit, il nous a transféré dans le royaume de sa lumière. Il nous a transféré dans le royaume de son fils. Loba Kayango déclara Kayango. Ma vie, mon esprit, mon corps, mon âme est transféré dans le royaume de Dieu. J'appartiens au royaume de Dieu. Mon nom est écrit dans les livres de Dieu. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Ma maison est bénie. Mes enfants, ils sont en Dieu. Je suis un champ que l'Éternel a béni.
la bénédiction est sur moi. Parce qu'il a dit, il ordonnera à la bénédiction d'être avec nous. La santé m'appartient parce qu'il avait dit, je souhaite que tu prospères en tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tu réclames, tu déclares, tu confesses. Il y a un abus chaque fois. Souvent je vous dis, confessez, et le koloba, homologe na grec, homologe na... Ils ont la même signification na latin, na grec. Eligi koloba, dire la même chose que. Dire la même chose que. Confession. Confession, confesser. Eligi koloba, dire la même chose que. Nous, attendons que les enfants de Dieu, nous disions ce que la Bible nous dit de dire. J'ai dit ce que la Bible dit. Je confesse ce que la Bible dit. Docteur Alobi, robot tate, mais toi, tu confesses ce que la Bible dit. Docteur Alobina maladie au Kobi Kate, toi tu confesses ce que la Bible dit. La Bible nous dit, par ses maîtrises que nous sommes guéris, je suis guéri. C'est Jésus qui a pris mes malédictions. C'est Jésus qui a pris mes maladies. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Lui qui était riche, il est devenu pauvre, afin que moi je devienne riche. Je confesse cela. Je suis béni. L'onction m'appartient. La grâce m'appartient. Finance m'appartient. La santé m'appartient. Je suis élevé. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. La sémence de Dieu est sur moi. L'huile de Dieu est sur moi. Je suis béni. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je déclarerai les œuvres de l'Éternel. 2021, c'est mon année. C'est l'année de la grâce. C'est l'année où je vais témoigner. C'est l'année de miracle pour ma vie, pour mes enfants. C'est l'année, c'est ça. Tu confesses, tu déclares, tu réclames. La Bible nous dit Oto kanyi nashe, et kangami likolo. Oto fumuri nashe, et fumami likolo. Yoga la verset 33 à l'obi. Qui acquisera les élus de Dieu? Si, balobi, ah, qui acquisera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Ma condamnation est à bateau. Ma condamnation est à maloba. Oyoko bongate. Oyoko botate. Ma condamnation est à nio César. Ni l'est. Qui acquisera? Qui a condamnera? Bibezolo banani a condamné. Hein? Qui les condamnera? Christ est mort. A combien plus fort raison, balobi? Awa. Christ est mort et bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Jésus, il intercède pour moi. Ah, le Fils, il dit qu'il intercède. Yohane va continuer. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ça sera c'est la tribulation. Ça sera l'angoisse. La tribulation, ça va problème. Ma tribulation, ma fartir, ma camou difficile. Et je la vie, na yo, on le dit, ah, la lémi n'a pas capoté. Apporte pas, et loco mon côté koko kabolanga. Et loco mon côté koko kabolanga na bolingona yesu. Et sa tribulation mon côté. Et sa persécution mon côté. Alors, ça sera si la tribulation. L'angoisse, angoisse, c'est ça, hein, mawa, sango moko ya mawa. Afrique. Après l'angoisse, la persécution. Après persécution, alors kozanga, kozanga biloko akolia. Eh, yamonde ke kabolanga, na yes, pona zangi biloko akolia. Après cela, nidité, kozanga bilamba, yamonde koko kabolanga na yes. Après cela, eza kufane te koko kabolanga na yes. Après cela, c'est pour cela la transition alobi. Selon il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort tous les jours et après qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Dans verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Aïe, 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 aïe. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire, tu connais qu'à peine pas problème, tu connais qu'à peine pas difficulté, tu connais qu'à peine pas passe. Ça va tout la famille, tout ça, on a un problème d'une manière ou d'une autre. Mais balobi, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir,
ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes les héritiers, aux héritiers, nous sommes des héritiers. Aïe, 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 aïe. Totang à Timothée chapitre, Tite chapitre 3 verset 7. Totang à Tosilicia. Totang continue à Matéa. Réclamons notre héritage en Christ. Marambouze Bélé, mais toujours que ça m'en dame, m'en dame, pour tout le canaco bonde là. Tout le canaco bonde là, selon message aux âmes, à Zopé. Balomina Bissonini, Natite 3, verset 7. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Nous sommes des héritiers, même de la vie éternelle. La vie éternelle nous appartient. Nous sommes la Bible est Awa. Il y a un appel dans Colossiens. Au même passage, on appelle ça dans Colossiens 1. Balobi Awa, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part aux héritages des saints dans la lumière. Aux héritages des saints dans la lumière. Basali biso peto za na part na biso na héritage ya bassin. Ya mon ami Awa, il faut réclamer ton héritage en Christ. Merci, c'est ça le message que le Seigneur a voulu, Toyoka. Moi je pense que je m'arrête ici. Mademoiselle Belé, j'ai dit, Togolobe la Moulisous, dimanche, Togolobe la Kara sur l'héritage, dans la vie, dans quatre héritages,